dans une famille très pauvre de paysans qu'il y a 700 ans naquit la pauvre enfant. C'est dans une famille très pauvre de paysans qu'il y a 700 ans naquit la pauvre enfant. Sa mère rendit l'âme en la mettant au monde, son père la traita d'une façon immonde. Sa mère rendit l'âme en la mettant au monde, son père la traita d'une façon immonde. La viola dans un coin quand elle n'eut que 10 ans, elle mit bas honteuse un monstre répugnant. La viola dans un coin quand elle n'eut que 10 ans, elle mit bas honteuse un monstre répugnant. Il avait quatre bras, une senteur bestiale, à la place du nez, les parties génitales. Il avait quatre bras, une senteur bestiale, à la place du nez, les parties génitales. Tous les gens du village la crainte ensorcelée, chacun sur son passage se sauvait apeuré. Tous les gens du village la crainte ensorcelée, chacun sur son passage se sauvait apeuré. Son père ayant omis de payer au seigneur, le nier lui étendu, fruit de son dur labeur. Son père ayant omis de payer au seigneur, le nier lui étendu, fruit de son dur labeur. Matin au château, le cerf fut emmené par le courroux du prince, les mains faut couper. Matin au château, le cerf fut emmené par le courroux du prince, les mains faut couper. Privé de son travail, le labour de la terre, sa pauvre enfant si jeune fut contrainte de le faire. Privé de son travail, le labour de la terre, sa pauvre enfant si jeune fut contrainte de le faire. Le labeur fut très rude, la récolte frugale, la misère empira et l'hiver fut glacial. Le labeur fut très rude, la récolte frugale, la misère empira et l'hiver fut glacial. Pouvant plus payer le denier au seigneur, le père fut pendu et la fille exilée. Pouvant plus payer le denier au seigneur, le père fut pendu et la fille exilée. Avec son enfant monstre comblé de désespoir, elle trouva refuge sur un autre terroir. Avec son enfant monstre comblé de désespoir, elle trouva refuge sur un autre terroir. Charrue, elle fait écraser. Les un jour de tempête dans sa troisième année, dans sa propre charrue, elle fait